m'appelle Amalie Loissif, je suis doctorante à la faculté de gouvernance des sciences économiques et sociales et je suis particulièrement donc rattachée à l'Africa Institute for Research in Economic and Social Sciences dans lequel je prépare ma thèse de doctorat sur la migration qui est induite par le changement climatique et je suis également donc l'une des doctorantes bénéficiaires du partenariat entre la FGSES et le Conservatoire national des arts et métiers et l'UNESCO, donc pour les études de Futures Literacy Lab. Et c'est dans ce cadre-là donc, que je m'intéresse aux questions de prospective dans le cadre de ma thèse de doctorat. Ce que je trouve intéressant à propos donc, des activités de l'ERS, en fait, en tout cas d'être rattaché à ce laboratoire, c'est vraiment cet équilibre entre la pratique et la théorie. C'est le fait d'être exposé donc, au monde de la recherche en tant qu'étudiant, doctorant, mais également avoir ce contact avec les chercheurs enseignants et bénéficier des différents donc, séminaires qui sont organisés par l'IRS ou également des PhD talks et des séminaires donc, doctoraux qui nous permettent d'interagir et d'avoir vraiment donc, un contact très étroit avec les professeurs, ce qui est très important pour nous, donc jeunes chercheurs qui s'intéressent aux métiers d'enseignement et de recherche.